Il est un petit réveil. Il est 10h49. Bon, je me suis réveillée beaucoup plus tôt, vous inquiétez pas. Et j'étais dans mon lit en train de regarder mes mails, etc. Et j'avais pas mal de choses à répondre, donc ça m'a pris quand même 1h30. Je me suis fait un petit café là. Oh, j'adore cette machine à café, c'est fou. Et pour ceux qui me demandent, la tasse vient de Muy Mucho. Qu'avant je disais My Mucho, mais je crois que c'est Muy Mucho. Oh, bref, de ce petit magasin, vous le retrouvez à Créteil Soleil si vous êtes parisien. Et il est trop trop beau. En fait, c'est mon signe astrologique poisson. Ils font ça aussi pour tous les autres. Ils font des bougies assorties avec ça. Enfin bref, c'est vraiment une très très belle boutique. Dommage que ça soit fermé. Donc là, en fait, j'étais en train de regarder mes mails pour des concours. Je suis super contente parce que j'ai eu le concours que je voulais pour vous. J'ai travaillé d'arrache-pied pour avoir ce putain de concours. Et donc normalement vous l'avez déjà vu, enfin il est peut-être en cours. C'est celui avec stationnerie. Normalement, ouais, normalement vous devez l'avoir. Il est toujours en cours, je pense, peut-être. Donc c'est sur YouTube et sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker le petit concours. J'ai une dégaine pas possible. J'ai ressorti ma petite combinaison panthère parce que je me caillais le cul. Elle est trop belle, je sais plus où je l'ai achetée. C'était peut-être Carrefour, je sais plus. Elle est trop belle, il y a des petites poches et tout. Je suis trop stylée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Le canapé, il ressemble plus à rien. Il y a trop de plaids, de conneries dans ce genre. Hein, Tiquette? Ah ouais? Oh là là. Le prince qui est pas content, il a une tête genre en mode pas content. Principe, et un petit commentaire? Non? Qu'est-ce que t'as, Bichette? Il est vraiment pas content. Hein. Donc aujourd'hui le programme, je pense que ce vlog va être sur 2 jours. J'espère que demain je vais recevoir mon colis pour pouvoir vous le montrer. Je vous l'ai annoncé sur Instagram, mais pas sur YouTube, donc je vais vous l'annoncer aussi. Je suis enfin ambassadrice de YesStyle. Je suis hyper contente. J'ai collaboré avec cette marque-là l'année dernière. J'avais testé pendant 3 mois leur gamme, et franchement ma peau c'était un vrai miracle, on va dire ça comme ça. Les soins coréens sont hyper bien, je suis super contente de pouvoir collaborer avec eux. Je crois que je vais avoir un code promo pour vous permanent, je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas s'il est encore activé, vérifier. Enfin c'est pas un code promo, c'est un code de parrainage, c'est différent. Donc voilà, sinon vous avez toujours mon lien pour y accéder sur YesStyle. J'ai fait une belle commande hier de 90 € avec énormément de choses, je vous montrerai ça peut-être dans ce vlog s'il arrive assez rapidement. Et ils font la marque La Neige. Vous savez, c'est le petit pot que j'adore utiliser. Masque de nuit bleu. Oh, il est super bien. Je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent Sephora l'année dernière. Je l'avais surkiffé. Et en fait, ils le font sur le site de YesStyle. Et ils font les petits formats comme j'avais eu à 2 ou 3 euros. C'est vraiment pas cher. Ils font le baume pour la nuit. Enfin, tout ça en format voyage. Mais je trouve que c'est pas mal pour tester. De toute façon, je vous montrerai ça dans ce vlog si le colis arrive demain. Ensuite, la deuxième chose, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est aller chercher mon sapin de Noël. Et oui les gars, en fait mon sapin il est chez ma soeur. J'avais stocké des petites choses chez ma soeur, j'en mets 2 sapins parce que j'en ai 2 de sapin. Je sais pas encore ce que je vais faire du deuxième, donc j'en ai un de 1m60 et un autre de 2m10 que j'avais acheté l'année dernière en solde à moins 70% à Truffaut. Donc faites comme moi si vous démarrez dans la vie avec un appartement, etc. Vous n'avez pas forcément beaucoup de déco de Noël. Moi ce que j'ai fait en fait pour ma première année, j'ai récupéré quelques petites boules de Noël par-ci par-là. Et après Noël, ils font souvent des bonnes remises, que ce soit chez Leroy Merlin ou Truffaut. Donc moi j'avais acheté plein 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 plein, mais plein de choses chez Leroy Merlin. Si je retrouve le haul, je vous le mettrai dans le petit i. Le petit est juste là. C'était énorme, je crois qu'on en avait pour 1000 €. Je crois avec mon père, hein. On avait acheté des bonhommes lumineux, etc. Et c'était à moins 80%, donc on avait payé 200 €. Ensuite, j'ai acheté plein de choses à Truffaut, toutes les boules de Noël aussi à moins 70%. Donc c'était hyper avantageux parce qu'en fait il y a moins 50% pour les clients normaux, mais nous on avait 20% supplémentaire, donc c'était moins 70. Donc j'ai pu faire toutes mes décos de Noël. Donc j'ai des décos de Noël style bois, des décos de Noël rouge, enfin traditionnel, etc. Donc bref, normalement j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de racheter des petites choses. Bon, par contre à Truffaut ils ont fait une décoration de Noël, les nouvelles collections, un peu féerique, je vous l'ai montré sur Instagram. Elle est sublime, vraiment trop trop belle. Après je mettrai pas ça dans mon sapin, mais vraiment elle est super jolie, il y a plein de casse si vous voulez. Truffaut c'est ouvert pendant confinement, donc n'hésitez pas à aller checker. Bref, voilà la troisième chose, j'ai cours à 12h30, donc dans une demi-heure. J'ai cours de maths, donc j'espère que ça va refonctionner là par contre, parce que c'est la dernière fois ça n'avait pas fonctionné, c'était hyper chiant. Donc ça finit à 13h30 mon cours, et à 14h je dois aller chercher le sapin de Noël chez ma soeur, donc c'est dans son garage, donc j'irai directement dans son garage et tout, pas de contact, vous inquiétez pas.
Mais faut que j'y aille. Et en fait, il y a le grand frère qui est juste à côté. Donc on va faire les courses en même temps. Bref, ça fait 5 minutes que je parle. Je blablate beaucoup. Excusez-moi. En ce moment, je suis pas dans le mood de Noël. Parce que j'y arrive pas. Genre, j'arrive pas à me mettre dedans. Et j'ai entendu regarder un peu des stories de. Je sais pas si vous le connaissez. C'est le grenier de Tom sur Instagram. Avant, il avait une chaîne YouTube. C'est le premier YouTuber que j'ai vu sur YouTube avec ses haul actions, etc. Là, il a arrêté YouTube. Et là, comme il est en confinement, il a commencé à faire ses décorations de Noël. Vraiment, il est talentueux ce mec. Il me donne vraiment envie de faire des décorations de Noël. Il est hyper inspirant. Je vais vous mettre peut-être son Instagram. Si... En fait, il fait des petites stories comme ça et tout. Il montre un peu l'avancée de ses travaux. Donc là, par exemple, il a fait une énorme étoile comme ça. Genre, c'est lui qui l'a faite et tout. Elle est vraiment trop trop belle. Donc voilà, c'est le grenier de Tom. C'est lui. Il fait de trop belles photos et tout. Il est excellent. Il est super gentil comme monsieur en plus. Bon, pour le petit look, voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai mis un pull qui vient de chez Bershka, il me semble. Un pantalon, je sais plus d'où il vient, je crois que c'est un Zara avec des petites paillettes. J'ai mis une surchemise qui vient de chez Shein, elle est trop 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 belle. Vous avez été nombreux à l'acheter, j'en ai à plusieurs couleurs, elle est super jolie. Et j'ai mis des baskets Fila, donc ça va pas du tout ensemble, j'ai pas du tout les mêmes chaussettes en plus. Mais j'ai pas beaucoup de chaussures, enfin j'ai plus rien au niveau des chaussures en tant que basket. Toutes mes baskets sont foutues, j'ai plus que celle-là. Donc voilà pour le petit look. Bon, vous reconnaissez ce plan, ça veut dire que je vais travailler avec ce bruit là. J'espère que le prof il va parler fort, hein, parce que là j'entends strictement rien. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je suis pas dans le bureau, simplement parce que je n'ai pas de chaise de bureau pour l'instant. Je n'arrive pas à trouver mon bonheur, je trouve ça trop trop cher pour ce que c'est. Donc j'attends un petit peu. J'attends surtout que mon copain s'achète sa chaise de bureau, comme ça je reprends la sienne. Comme ça j'ai pas besoin d'en acheter une. Donc voilà, là j'ai cours de maths, c'est parti, ça a pas encore commencé. Et juste après ça on va aller chercher mon petit sapin, je suis trop content. Alors si on regarde cette forme quadratique, donc on a, si je fais la même méthode, la matrice associée, donc c'est 1, moins 2, 1, 1. Donc le déterminant il vaut moins 3, c'est négatif, donc j'ai une VP positive. En fait, je vous montre, j'ai pas cours, enfin, il nous a sûrement zappé. En fait, dès que t'as cours, t'as une session en direct de Panopto. Là, t'as rien. Panopto, pardon, je sais pas comment on prononce. Normalement, t'as une session en direct, là, il y en a pas, donc je suis en train de rattraper mes deux cours que j'ai loupés la dernière fois, vu que ça buguait. Donc voilà à quoi ça ressemble, mes cours. Donc là, en fait, c'est le cours du prof en PDF. Et que je peux annoter dessus. Je trouve ça super bien. Moi, je peux annoter, surligner directement sur son cours. Donc là, j'avais un peu nexté, je vous avoue. Et en fait, à côté des cours comme ceci, là, dès qu'il fait un exemple, bah, je le mets sur une autre feuille, écrit directement sur la petite feuille, etc. Enfin bref, j'écris les exemples sur une autre feuille pour pas que ça envahisse mon PDF. En fait, les gens, ils ont acheté le cours en livre, son cours, parce qu'ils ne le donnent pas, son cours. Donc faut acheter le livre normalement, sauf qu'il existe en PDF. Si tu cherches bien, normalement tu trouves. Donc moi je l'ai trouvé, je suis super contente. Comme ça je peux le mettre directement sur l'iPad et faire donc des annotations, surligner. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Donc vraiment super bien, je suis super contente. Donc là je vais regarder la deuxième partie du cours. Ma soeur m'a dit que de venir plutôt à 14h30. Donc j'ai encore un peu de temps pour mon cours. C'est parti, il faut travailler. Mais il a toujours pas commencé une nouvelle session. Je pense qu'il a dû avoir un problème avec son internet. Quelle heure? Ça serait bien qu'on parte voir ma soeur. 13h03. Là, faut que je fasse mon lit parce que c'est pas du tout propre. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ce qu'on a fait dans la chambre. Alors, je sais pas si vous allez le voir.
Pas trop, non, mais un petit peu, ouais. On a mis du scotch sur le mur. Pourquoi? Donc c'est pour voir comment serait l'écran de notre vidéoprojecteur. Donc on a vu plusieurs modèles, enfin, surtout mon copain a vu plusieurs modèles parce que moi je m'y connais pas. Donc on a regardé les vidéoprojecteurs que les youtubeuses promettaient, genre j'ai vu celui de Laura R. Donc c'est un portatif, etc. Mon copain il a regardé, il a dit que c'était de la grosse daube. En fait, c'est ce que tu m'as dit, c'est de la daube. Bah, niveau luminosité, si t'as une pièce qui n'est pas totalement noire, c'est compliqué. Et les 2 heures d'autonomie, bah, si t'as un film qui dure 2h30, c'est mort, faut le brancher. Donc dans tous les cas, tu prends un projecteur qui est orange. En gros, pour le prix, c'était pas foufou. Au niveau des lumens, c'est ça? Lumens, enfin batterie. Ouais, au niveau des lumens, Annecy, parce que les autres lumens que les constructeurs chinois mettent, faut les diviser par 20 pour avoir les lumens Annecy. Voilà, en c'est gros. C'est la réglementation européenne. Tout ça, moi je n'y connais rien, mon copain s'y connaît beaucoup mieux vu que c'est son domaine. Et en gros, toutes celles qui promettaient, enfin qui montent les achats, à chaque fois on regardait, à chaque fois c'était de la daube. Pour te dire, il faut 2000 lumens pour avoir une bonne projection, même s'il y a de la lumière ambiante, tu vois. Et le rétroprojecteur qu'elle avait acheté, le Xiaomi là, il fait 500. Sachant que si tu le mets en mode 500, ton image, j'ai regardé des tests, ton image elle est un peu verte, enfin ouf. Donc si tu veux avoir une bonne colorimétrie, etc., il fait du 250. Donc en gros, faut bien regarder, faut bien se renseigner. N'achetez pas des vidéoprojecteurs parce que des youtubeuses vous l'ont montré. Chaque fois, moi j'en regarde et je me dis, ah, ça va bien et tout, tu vois. Pas du tout en fait, pas du tout. Donc peut-être pour leur utilisation personnelle, ça leur convient. Mais si vous voulez vraiment avoir une bonne qualité d'image, quelque chose de joli, avec des tons jolis, renseignez-vous un maximum, vraiment. Genre par exemple les lumens, ce machin, j'y connais, enfin je savais pas que c'est, enfin j'y connais, comment dirais-je, franchement si on l'avait pas dit je ne saurais pas. Donc bah clairement pour le même prix, 800 balles, t'as un BenQ, un Optoma et... ouais, si on se met dans le noir complet et qu'on met le vidéoprojecteur, ça va nous abîmer les yeux. Il faut avoir une petite lumière, genre on est pas obligé de fermer les volets, tu vois, parce que sinon ça nous fait mal aux yeux, parce que on a 2m8. Ouais, on a 2m8 entre le plafond, entre le... Bichette, il est déchaîné ce chat. Donc en gros, on a que 2m8 entre la distance, donc ça fait un énorme écran. Je sais pas si vous verrez, mais là, ouais, c'est ma table de make-up. Là, c'est la porte, il y a au moins 2m... C'est énorme, quoi. Donc, ça dépend du projet qu'on prend, ça dépend du zoom, ça dépend de plein de trucs. Ouais, donc bon, on verra. Bon, je suis dans la voiture, j'ai pris ça à Carouf. Vous savez, les trucs pour poser les téléphones là. Je sais pas si ça va fonctionner parce que moi, mon truc il bouge. C'est une catastrophe. Que ça va fonctionner. On va essayer avec le téléphone. J'espère que ça va pas trop bouger. Écoutez, on va prier le Seigneur Dieu pour pas que ça bouge. Bon, ça caille, il faut que je change aussi mon assurance. Hop! Parce que ça, faut l'enlever. Bon, là, je vais chez ma sœur, donc dans son garage pour aller chercher. Je sais pas si elle est chez elle. De toute façon, j'ai les clés. Donc, je vais aller chez ma sœur pour chercher enfin mon putain de sapin. Et j'ai mis où mon assurance? Ah, j'ai pris l'attestation ou pas? Oui, c'est bon. Oh, attestation de merde, là, qui sert strictement à rien. Je m'autorise à sortir, tu sais. Vraiment ridicule. Allez, c'est parti. Bon, j'ai le soleil dans la gueule. J'ai récupéré mon petit sapin. Je suis trop contente. Enfin, il est là. Par contre, il est vert, genre vert. Je savais pas. Je me souviens que c'était qu'il était blanc, mais en fait, pas du tout. Donc, ça sera un sapin vert. Écoutez, ça va être sympa, je pense, cette année. Ça change. Si j'ai envie d'un sapin blanc, bah, je prendrai le blanc, etc. Je tournerai. Donc là, on va aller à Grand Frais. Ça y est, nous sommes arrivés. On s'est pas perdu, ça va. Je connais un peu la ville. Bon, on est à Grand Frais. Nos rayons des viandes et tout. Je vous l'avais déjà montré, mais vous avez tout ça de boucherie. Tout au fond là-bas, c'est les fruits et légumes. Et là, c'est tout ce qui est poisson, viande, épicerie. Il y a des fruits, je les connais même pas. Genre ça, ça, truc du dragon et tout. Genre ça, je sais même pas ce que c'est. Feuilles de banane, ah, des cannes à sucre, il y a un peu de tout. Genre ça, c'est du chou romanesco. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop beau. Et là, vous avez tout un rayon de fromage. Et tout ça, c'est 100% français. Et au-dessus, là, il y a la carte de France où il vous dit d'où ça vient. C'est super bien, tout est français et tout. Ah, c'est mignon, ça regarde la table de brebis avec la petite truc à clémentine là. Ouais. Bon. Le cours terminé, on va aller chez Marie de la Chaire pour acheter le gâteau au chocolat qui était extrêmement bon, même s'il avait été écrasé par ma personne. Je galère avec une seule main. Hop, et la tarte à la framboise. Oh là là. Oh là là. Ce que juste on peut souligner, ma façon de me garer, comment elle est super bien, je m'améliore. Et là,
Pareil, même distance. On vient d'aller chez Grand Frais. Donc on est allé aussi à Marie-Blachère là. On a pris le fondant au chocolat que là, celui-là, il n'a pas intérêt à être écrasé, je vous le dis. C'est quoi le code du ticket? Des chouquettes, des trucs comme ça, des baguettes, des pains au chocolat. Dès que vous prenez 3, vous pouvez avoir 1 plus 1, ça fait gratuit. Enfin, vous en prenez 4, ça vous fait 1 gratuit à chaque fois. On a eu pour 120 euros à Grand Frais. On a pris beaucoup de... Enfin, on a pris de la viande, des fruits et légumes, etc. Et là, on va aller à Lidl pour chercher du congelé. Parce que il y avait des légumes congelés à Lidl qui sont super bons. Donc je vais en reprendre là-bas. Il me faut juste de la crème liquide et de la crème de coco pour faire de la pâtisserie. Non mais... Depuis qu'on l'a, tous les jours, monsieur l'active pour passer la serpillière et bah, tout. Tu me reprochais de jamais laver la J'avoue, à chaque fois, il foutait ouais, rien, bah... Maintenant, je lave tous les jours. Maintenant, il y a tous les jours. Mais c'est même pas toi qui lave. Tu me fatigues. Bon, au final, on n'est pas allé à Lidl. Parce qu'il y avait une flemme qui est arrivée dans notre cerveau. On a pris pas mal de fruits et légumes. Le plus important. Le gingembre. Il a pris du gingembre. C'est aphrodisiaque, mon ange. Ah ouais. Super. On a pris une noix de coco. C'était 3 euros, on a voulu tester. Enfin, j'ai pas de yaourt et tout, donc c'est un peu chiant. Faudrait que je tourne à Lidl bientôt. On a pris ça, c'est des marrons entiers cuits à sec. On a pris les deux pots. Les deux pots étaient à 9 euros. Oh, c'est super cher, mais vas-y, c'est trop bon. Des tomates cerises, donc les bocaux, les petites, la petite laitue, les gnocchis, des feuilletés. Donc on va faire des feuilletés chèvre-miel, ça va être super bon. J'ai pris 4 baguettes de chez Marie, j'ai pris un brocoli, 4 carottes pour faire de la soupe. Donc je vais faire ça tout à l'heure, comme ça, ça sera fait. J'ai pris des pommes, des kakis, des bananes, des avocats. On va faire du saumon ce soir avec avocat et riz, on va faire des petits sushis. On a pris aussi des tomates, les tomates honeymoon, je sais pas si vous connaissez. Non plus, je connais pas. Mais c'est la couleur des tomates, elle est hyper fade en fait. Donc on verra ce que ça donne, ça vient du Maroc. Le fameux gâteau au chocolat. Super bon. Donc on a pris des œufs, j'ai mis la date de péremption ici. Parce qu'à chaque fois on sait jamais la date de péremption, même si c'est noté dessus je crois. Mais au moins là on le voit, on dit ouais faut manger quoi. Pris des saumons, donc un en pavé, donc c'est 20,50€ le kilo. Et un en découpé. Moi je préfère les découper comme ça au moins c'est beaucoup moins cher. C'est 15€, enfin 6€ le kilo. C'est déjà découpé donc si tu veux te faire des shirashi wood, bah c'est déjà fait. Donc je n'ai plus de yaourt. Quand tu les ouvres il y a encore un peu de peau dessus. J'avais fait des cannelés aussi. Ils sont super bons. Tu les as achetés, tu les as réchauffés quoi. Bah oui. On a pris de la pâte brisée, on a pris plein de fromage comme vous pouvez le voir. Ça c'est un peu comme tu sais dans les restos où ils disent ouais c'est fait maison. Non, c'est pas alors fait maison. C'est décongelé. Bah, c'est un peu Isa, tu vois. Genre, ah ouais, j'ai fait des cannelés. Bah, je les ai fait cuire, quoi. Ouais. Et des coquelets, c'est ça? Ouais. Des petits coquelets. Un chacun. On a pris aussi des camemberts à cuire, ou je sais pas quoi, là. Des camemberts comme ça, au four. Oh, je pense que ça va être bon avec le petit pain de chez Maryse, là, je sais pas quoi. Bon, on a récupéré mon sapin, comme je vous disais. Donc, c'est le sapin... Norman, vert, 2m10, celui que j'ai acheté l'année dernière. Norman, on dit. Et donc, je l'ai acheté à Truffaut. De base, il coûtait dans les 250€, je crois. Pour le goûter. Tu veux ouvrir ça pour goûter maintenant? Vas-y. Donc, c'est un sapin qui coûte cher de base, parce que c'est le meilleur sur le marché en termes d'épines, en termes de sapin qui fait pas trop fake. C'est ceux généralement qui se mettent en exposition à Truffaut, vous savez, où ils montent toutes les décorations de Noël sur les grands sapins, etc. Ceux qui mettent en exposition, ils sont vraiment super beaux. Et j'ai trop trop hâte. Mon copain, il veut déjà le mettre. Sauf que je suis pas encore dans le mood là. Oh, tu t'es mis une petite giclette sur toi, mon cœur. Comme ça, hein. Ah, mais c'est un coco encore en dessous, non? Je crois. T'as pas une autre coco dans une autre coco? Je crois. Oh, c'est quoi ce bordel? Ça me fatigue. Je t'ai dit, il faut faire à la perceuse. Oh, mes petites fourchettes. Elles vont se tordre. Et je vous explique, il a enlevé tout. Ah non. Ça me fatigue, il s'est fait chier. Enlever tout ça. Alors qu'il peut prendre un marteau, une visseuse et tout. Ah, ça me fatigue. Non, moi je fais des choses bien. Ah bah oui, bah, on voit ça. Moi j'ai pas de planche à découper, je vais me taper ça là. Donc là, je suis en train de faire une petite soupe, donc je vais faire brocoli, comme ça, là. 3 carottes, je suis en train de faire des patates, et je vais mettre des queues de poireaux que j'avais congelées la dernière fois, que je vais mettre là-dedans, dans mon petit moulinet. Je se croirait à Tahiti. Il est vachement bon, hein. Mais tu sais, c'est meilleur que ce en brique. Oui, bah elle est fraîche. Il y a une rue,
Je sais plus laquelle c'est, je te le demanderai à ma sœur. En gros, avec ma sœur, on est allé boire un verre dans une rue, je pense que c'est rue Montorgueil, ou à côté. Mais c'est différent parce qu'eux, ils vont à la perceuse. En fait, c'est un restaurant chinois, japonais. En fait, tu peux boire un verre aussi. Et c'est que sur demande, que si tu leur demandes, parce que c'est pas sur la carte, c'est une noix de coco que tu peux boire et que tu peux manger ensuite à la petite cuillère à l'intérieur. Mais ils le font super bien. Donc ils vont sur le commerçant d'à côté. Ils vont prendre, je crois que c'est vraiment Montorgueil avec le grand marché. Après, ils prennent la noix de coco, ils te la font et tout, c'est 6 euros. Eux, ils l'achètent 1,50 euro ou 2 euros. Toi, tu payes 6 euros et tu peux boire ta noix de coco tranquillement. Je crois que j'ai une photo. Bon, je sais pas si je vais avoir assez de place pour mettre cela. Donc j'ai mis un petit peu de brocoli, 3 carottes, des patates et j'ai rajouté un petit oignon. On rajoute de l'eau et c'est jusqu'à le max là, enfin entre le min et le max juste là. Et après il faut juste démarrer ce que tu veux, soit un crunchy, soit un smooth, soit un smoothie même. On est en train de manger la noix de coco donc ils sont en train de la vider. Donc là c'est tout ça, c'est la noix, enfin c'est la coco pardon. C'est hyper bon. Bon ça y est la soupe elle est prête, regardez-moi ça. Ça a l'air super bon, ça sent super bon en tout cas. Donc là on est en train de se faire du riz pour faire des petits sushis. Un bichette. Ouais, mon chat. On va faire des sushis, on va faire un shirashi. Ouais, on va faire un shirashi. Oh, c'est satisfaisant. Et on devait faire rien avec du bois. Oh, ça fait même pas un sachet. Je viens de péter. Je suis hyper deg par contre. Hein. Mais je viens de péter mon petit tube. Je suis trop deg. C'était la brume de je sais pas quoi là que j'avais reçue dans Look Fantastic. Je viens de le péter. Genre j'ai pris le bouchon mais c'est parti. Donc je suis trop deg parce que je commençais à le tester et j'aimais bien en plus. Et ben voilà, le karma, ça me fait chier. Non mais regardez ce qui s'est fait. Il y a du verre là. Il y a faut qu'il y ait que tout du ça, le mec s'est pris le truc de saumon tout seul. Non mais tranquille le mec, il y a des tomates, avocat, riz. Et moi voilà. T'es sérieux, t'as mais mangé tout petits, le saumon mes trucs. T'as mangé tout le saumon. C'est des carrés moi. Ouais, plutôt c'est des carrés épais hein. Ils sont le fin wesh. Ouais, tu parles comme un wesh. Yo, oh. Ah, ok. Ouais. Oui, il y en a un qui a de la chance, il va avoir du saumon. Un bichette. Birdie, ça, tu peux pas toi Birdie. Tiens mon chat. Bah ouais mon chat, bon appétit. Ah, j'ai donné une friandise sur 4 biens. Bon, j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog là. J'ai pas encore reçu les produits YesStyle, donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Est-ce que vous préférez un haul dédié à YesStyle ou est-ce que vous préférez que je l'inclue dans un vlog lambda? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah voilà, je pense que je vais le recevoir d'ici quelques jours. Parce qu'en fait j'ai vu 1 à 2 jours, mais en fait non, c'était 1 à 2 semaines. Je suis débile. Donc là actuellement en fait j'ai mis mon sapin etc. Vous le verrez dans un prochain vlog. Je pense que je vais vous le faire lundi. Comme ça vous allez avoir un vlog début de semaine. Vous allez commencer dans un bon mood. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.